Donc, nous voilà ici pour conclure cette petite vidéo test du Honor 5C. Alors, que dire sur ce smartphone pour conclure? Ben, c'est un excellent smartphone pour le prix parce qu'il faut le rappeler 200 euros. Donc, le smartphone a une autonomie plutôt agréable que j'ai pu commencer à apprécier. Il est compatible avec les montages en 1080p sur le logiciel KineMaster. Et enfin, les performances sur Minecraft en screen recorder sont plutôt bonnes, comme vous avez pu les voir en 1080p à nouveau. Donc maintenant, les points forts et les points faibles. On va commencer par les points faibles. C'est que dans une utilisation YouTube assez intensive, en screen recorder, l'appareil a tendance à chauffer. Donc attention, ça peut faire baisser les performances, voire rendre en fait une vidéo complètement inexploitable, comme ça m'est arrivé à 4 reprises durant le test de cette vidéo. Donc ce sera le gros point noir que je mettrai dessus, c'est qu'attention, une possible. Donc du coup, sur Minecraft ça se passe très bien, mais sur d'autres par exemple, mais attention, sur certains jeux vos vidéos pourraient, enfin moi en tout cas c'était sur le fond d'écran de l'appareil, vos vidéos pourraient se retrouver inexploitables en cas de chauffe excessive de l'appareil. Donc ensuite, il y a aussi autre point faible, mais ça vient plus des développeurs de KineMaster, c'est que certaines fonctionnalités de transition entre les vidéos ne sont pas prises en charge. Donc le point faible, c'est pas vraiment la non prise en charge des layers vidéo, qui n'est pas prise en charge sur pas mal d'appareils, c'est plutôt la non prise en charge des transitions entre certaines vidéos, qui en fait un peu un autre point faible de cet appareil. Alors son point fort déjà, c'est les performances, c'est le rapport qualité-performance-prix, parce que meilleur que ça, c'est les smartphones d'import chinois de type Xiaomi, alors que là on a un smartphone vendu à l'international qui supporte toutes les fréquences 4G, notamment les fréquences particulières françaises, contrairement à ses homologues chinois qui ne sont pas vendus à l'international. Nous bénéficions d'une garantie image de marque, parce que bon, Honor c'est une filiale du géant Huawei, donc on est quand même sur des appareils de plutôt très bonne facture, sur couche assez légère, où à part quelques applications préinstallées, et ben plusieurs applications préinstallées peuvent être désinstallées. C'est les cas de l'application Facebook, Twitter, News République et Opera dans mon cas. Après, et aussi quelques petits jeux. Donc après, certaines ne sont pas désinstallables, mais une fois fait le ménage, il reste pas grand-chose. Et aussi, la surcouche est très jolie, imitation un peu lienne, mais très jolie. Et enfin, du coup, donc performance, le prix, du coup la garantie, la surcouche. Enfin, la surcouche en même temps, sur ce coup-ci, un point fort parce qu'elle est jolie et on est quand même sur un Android 6, donc c'est quand même quelque chose d'assez récent. Et je pense qu'on a fait le tour des points forts de smartphone. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi j'ai titré cette vidéo que c'est le smartphone YouTubeur, point d'interrogation? C'est que à ce prix-là, c'est pour moi le smartphone qui correspond le mieux aux YouTubeurs, parce que n'importe qui peut se contenter d'un Samsung ou compagnie. Mais pour les YouTubeurs, avoir un smartphone plus performant qui leur permet de monter quand ils sont dans le métro, qu'ils n'ont pas de connexion, monter très rapidement un extrait de vidéo ou visionner un montage en cours. Ça peut être très très pratique, surtout en 1080p on parle, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu ce test et on se retrouve pour des prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!